C'est cher, Alphonse. Mais voilà, tu peux dire bonjour à toi. Je reprends un tube. YouTube, c'est dommage, t'as raté tellement de vidéos que je ne vais pas poster parce qu'on s'est fait laminer. Dommage. Évidemment, comme tous les grands youtubeurs, je gagne toutes mes batailles, évidemment. Elles sont nulles ces maps, je peux pas faire porte-avions d'assaut sur ces maps. Trop exposé. Pour un coup, je vais sur A. Oui, va sur A. Je sais pas. Étrangement, j'ai pas envie d'aller sur C là, pour le coup. Allez, vas-y, je vais aussi sur A. Let's go. Me cacher par là. Pilotage automatique activé. Des batailles. Je vais aller visiter ce qu'ils ont à dire sur moi. C'est bien, il y en a déjà deux qui sont en train de me tirer dessus. J'aime pas regarder ce qu'il y a en face. Oh, ça va. Deux Gneissano, ouf. Il faudra y aller mollo sur les corps à corps. Ah, ça c'est pour ma gueule, voilà. Ah, sa petite barque de pêche dans son village qui est allumée, je pense. Au moment où je le visais. La boucle gouvernail. J'ai plus rien. La barque de pêche. Non, la barque de pêche, elle boit l'eau. Officiellement. Et le cuirassé, j'ai tiré sur un. J'ai plus. Sur un truc. Je sais même plus sur quoi j'ai tiré. D'accord. J'ai tiré sur quoi? Non, c'était un croiseur. C'était un poids. C'est quoi le champion? C'est le champion? Celui qui est sur A. En train de se cacher là, je vais pas tarder à le montrer, je pense, avec mes bombardiers. T'as vu tout ce qu'il y a sur A? Ouais, je sais même plus. Ouah, l'effacement de mémoire, quoi, vraiment. Genre, il y avait un bateau il y a 10 secondes, je l'ai oublié. C'est un bateau, hein. Oh putain, le monde qu'il y a sur A. Le navire a été détecté par un avion. À mon avis, le Ruskov va m'allumer comme un sourd. Écoute, actuellement j'ai 3 personnes sur ma gueule, donc Il y a des navires ici. Il y a beaucoup de bateaux dans le coin. Ah bah voilà, il y a beaucoup de bateaux dans le coin. Sur quoi j'ai tiré? Je sais même plus sur quoi j'ai tiré. C'était peut-être sur un point. J'ai tiré sur quoi? Je sais. Ah oui, mon navire se fait déjà à ce matin. À fond les manettes. Hein. Bah, moi aussi, t'inquiète, j'en ai 5 sur ma gueule. J'ai mis une petite bordée aux Soyuz et puis je me casse. Ah bah il y en a 6 maintenant. Je passe derrière. Y'en a même pas une qui touche. Enfin, y'en a pas une qui touche. T'as trop vite. Le russe va beaucoup trop vite. Destination atteinte. Pilotage automatique désactivé. Oh, c'est chaud. Repliez-vous vers cette zone. Quand t'es le tir, c'est si chaud. Bien reçu. Pochez, Tico. Je suis occupé parce que le russe. Eh, le russe, il avance vite, hein. Il avance très très vite, le russe. Au secours. À tous les bâtiments. Attends, mais comment tu... Est-ce que je le cac, le russe? Allez, vas-y, je le cac, le russe. Terminé. Attends, il y a mon secondaire qui est en train de tirer par-dessus les montagnes. Je le touche au secondaire alors que je peux même pas le... Le toucher au secondaire. Je peux même pas le voir au primaire.
Ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est n'importe quoi les frites. Ah, les deux Naisono en plus qui sont avec une barque de pêche avec eux, je crois. Donc, ils vont être chauds. Et moi j'annonce mon suicide. J'ai bien détecté pour une. L'équipe a pris l'avantage. Alerte incendie. Ah putain, trop de... Oula. Là, je t'avais pas vu. Terminé pour moi. Ouh, pas tardé à terminer pour toi, non? Ouais, ouais, pas tardé. J'ai 3 sur ma gueule. C'est bon, un de moins. Normalement, il va mourir. T'as le russe aussi à l'autre bout là qui est en train de t'éclater là. C'est pas d'ailleurs très bien d'ailleurs le russe là. Oh, il a disparu. Il a 3 navires. 4, 5, 5 navires sur toi. Oh ouais, ça devrait faire, t'inquiète. Je suis tes petits boulets de canon. Là, y'a tous les avions sur ma gueule hein. Bien éclaté hein. Vraiment, y'a je te jure, y'a tout le monde. Ah bah quand tu prends même des régions, t'es que le site est salé. Ah, je suis mort mais j'ai pu repérer la porte. Terminé, attention. Cible repérée à cette position. Bon, officiellement on gagne hein, mais bon... C'est juste la version officielle. Le navire au niveau de la DPS, on gagne. Au niveau du timer, on gagne. Ouais. Le sauf Soyuz là, c'est un russe ça. Le turc il est mort. Le Carolina est bientôt mort. Notre Tirpitz est pleine forme. Alors le Lexington est pleine forme. Le Lexington j'ai repéré il y a quelques secondes. Carolina est tombé chez eux. Ouais, le carabiner en même temps que le mission et que je vais me faire la gueule. Ah, mais c'est qui flambe le russe? Je suis en train de regarder le colo d'Adrado tiré avec son armement secondaire. Ah, regarde le Colorado qui essaye de tirer avec son armement secondaire, la honte! La honte! Oh, bah, Colorado, ah, c'est marrant, tu dis ça, je le vois en fuite et juste après il y a demande d'assistance. Voilà, non mais regarde la surtout ce qui est le plus drôle c'est quand toi on te voit tirer avec ton armement secondaire qu'on a l'impression que c'est du principal de barque de pêche qui tire quoi. Et avec des cadences monstrueuses. Et lui là, il y a un petit coup de canon qui part de temps en temps là. Ah mais il met tout à côté en plus hein. Ouais, terminé. Bah, oh. En secondaire, à part les frites. Est mort. Oh la honte. Non mais il aura tout tiré avec son principal à côté surtout. Hein. Ça aurait été une bonne grosse honte quoi.
Ah tu vois, ils sont remontés, hein. Ils sont en train de remonter là, tranquillement, ils sont en train de dégommer tout le monde. Hein. Attends, mais le chevron, il était toujours pas mort. Lequel? Il y avait trois navires qui étaient là-bas prêts à aller le chercher, et personne qui y était allé. Ah, maintenant c'est le Heinrich qui a tombé, c'est ça? On va sur le Heinrich. Incendie et tout, c'est la misère. Terminé pour lui. Enfin, les deux Nike Sono qui jouent, mais collés serrés. Hein. Ils sont en même temps. Oh, joli ça. C'est joli. En même temps, c'est pas illogique. Hein. Le Nike Sono est un bon navire, mais il faut qu'il ait du soutien. Ouais, non, mais ils jouent collés l'un et l'autre. Et le pire, c'est que c'est. Le pire, c'est que c'est très RP. Si, historiquement, le Gneissono et le Scharnhorst sont les mêmes. Ouais, ils ont la même conception. Et ils étaient tout le temps ensemble. Et ces deux navires, en opérant tout le temps ensemble, ils t'ont foutu tellement la trouille au roast beef qu'ils en avaient plein le cul. En une journée, ils pouvaient attaquer deux convois à deux endroits différents. Ah bah c'était horrible pour eux. On va peut-être falloir commencer à les allumer un jour les Gneissono et pas juste les regarder vous poutrer la face hein, parce que là. Ah bah par contre j'aurais mis une sacrée. J'aurais mis quelques bonnes salles dans la gueule quand même. Et t'es monté à combien de dégâts toi en tout et pour tout là? Parce que t'as bien cartonné hein. Oh non là ça va, je suis à 62 000. Ouais. Tanké pour 2 millions. Ouais non tranquille. Petite game. 34 000 aux avions. Petite game tranquille, moi avec mes vieux 14 000 tout pété. On n'a emporté aucun dans la tombe avec moi. Terrible. Il a pas la portée là pour les allumer les Gneissono. Ça tire à combien un Mogami là? J'en sais rien. Mais... pas qu'à 16. À 16 par contre, oh putain, le Bismarck, il est en train de prendre dans la gueule. Ah bah sur le mode Ah oui. Sur mon mode je viens de voir sa vie descendre d'un coup. Il a le cuirassé. Il y a des Gneissono qui est quasiment mort. Butez-le. Finissez-le. Mais comment il joue le Bismarck? Arrête de tourner crétin. Il a de la chance. Hein. T'as vu comment il a esquivé? Bismarck là? Ça s'appelle pas esquiver, ça s'appelle attendre d'avoir de la chance. Ok, y'a un Gneissono qui est tombé. Par contre, le deuxième. Mais putain, mais. Le Soyuz! Nique le Soyuz, il te monte ton flanc! Il te monte le flanc! Mais lui, il est bordé! Ah non! Mais non! Mais non! Tire sur le Gneissono, il a un navire à 6 km, il va aller sur le navire à 14 km. Sachant que la précision des Allemands, c'est de la merde. Oui, c'est ça. Oh putain! Par contre, le tire-piste, là, il est bien. Et maintenant, il va lui foncer dessus comme un con, comme un tardo aussi. C'est Soyuz qui est en train de lui foncer dessus. Non, bah, le Bismarck est en train de foncer dessus. Maintenant qu'il est mort, il joue le kamikaze. Ça sert à rien, c'est avant. De toute façon, le Bismarck, c'est avant qu'il fait les le Bismarck s'est suicidé tout simplement. Il s'est laissé tuer. Le Soyuz, dis donc, il tanque, hein. Il tanque et il tire, hein. Il fait pas semblant, hein. Bon navire, hein, visiblement. Ah bah les cuirassés russes c'est le blindage en stalinium. Attends, on a un croiseur par contre qui tire à l'autre bout de la game là. Mais il tire plutôt bien hein. Si vraiment je dis ça ou il tire plus à côté. Ouais. Et sinon il tire plutôt bien. Hein. Le Neptune pas mauvais hein. Voilà, le Soyuz est mort. Fallait pas jouer un tire-pits. Ah ouais, le tire-pits quoi. Il a vraiment des torpilles le tire-pits là. Ouais. C'est une blague. K.
Comme le Gneissono et le... Ah oui, putain, c'est vrai que les Gneissono aussi, ils en ont. Sachant qu'il y a le Brandebourg aussi qui en a, mais c'est un premium comme le Tirpitz et Charnost. Le Pomerne en a aussi, je crois, tier 9 et premium. Le Gneissono, par contre, c'est pas un premium. Non. C'est le tier 7 première branche. Putain. Oh, les Allemands, quoi. Le... Et je crois que dans la deuxième branche, il y en a qui ont les torpilles aussi. À partir du tiers 6, je crois, 6 ou 7. Ça doit être 7. Les Allemands qui ont conçu le cuirassé, ils vont faire un gros bloc de métal. Et après, vous mettez tout ce que vous avez plus long dessus. Après, le truc, c'est que les... la deuxième branche, d'après ce que j'ai compris, elle est moins. Moins résistante que la première. De toute façon, on a gagné dans 16 secondes. Par contre, le Udallois, il a pris 0 dégâts. On a une petite barque de pêche là chez nous. 0 dégâts. C'est pas ce que c'est une balle. Il n'en a jamais pris une. Bah, elle a bien joué. Oh, bah, le tir, tu peux être trop tard, mon gars, il fallait anticiper avant. Hein. C'est... Ça veut dire qu'il est... il a bien joué, il a fait son job, il a ce poste sans se faire repérer. Donc, non, bien joué à lui. Bah, GG à toi, hein, surtout. Les stats sont dégueulasses, c'est horrible. J'en ai marre de jouer avec des gens qui ont des trop gros niveaux. Les avions ça passe pas quand ils ont des trop gros niveaux, c'est infernal. C'est infernal. Ah, des bisous ton tube.